fait deux chinjambé. Du à pas cuit. Manger à pas manger. On va commencer à prendre ça tout là, mais pas vraiment habitué. C'est un bon vinaigre. Mon bon plat de bois. C'est bon, vraiment compliqué. Je dis tout le monde, bienvenue dans qui est-ce qui chef. Format a changé Kounian parce que Kounian nous arrivait dans le tiers de finale. Avant, nous avons 4 cuisiniers et nous avons pris 2 gagnants. Mais là, Kounian, nous avons 3 cuisiniers et nous avons pris 1 seul gagnant parce que nous avons tiers de finale. Il y a 45 minutes où ils font là. Et là, nous allons quitter nous avec Chef David qui a dit nous qui plat Jodia, il y a bien pour nous faire Jodia. Georges, va y venir dans le Kounian. Nous arrivons dans la semi-finale. Non, tiers de finale. Tiers de finale, côté que Kassan Kounian là obligé. Pour être yo que yo c'est chef. Oui. Je dis en la pour ingrédients, c'est principal yo nous gain chocolat pays et puis nous gain sardoise. Sardoise en son poisson frais. Oui. Qui fait que dans la main. OK. Au moins me donner là, son contexte on gain toute possibilité pour faire un merveille à poisson ça pour juger. All right. Alors, je dis en là, faut que utiliser du riz. Du riz. Mais j'aime te douler, on pas prendre du riz blanc, on pas prendre du riz collé. Nous voulons contestant le Kounian là, utiliser du riz dans l'autre forme. All right. Bon, so, y a 3 ingrédients vraiment pour utiliser pour jugio. 3 belles plats, bien finis, bien belles et bien goût, évidemment. All right. Ce qui fait que là, on va présenter nous 3 cuisiniers qui parlent bien pour concourir aujourd'hui dans le tiers de finale. Ça. Nous avons Julie. Nous avons Réginal. Avec Gérard. Qui est-ce qui chef a présenté nous 3 juges que 3 cuisiniers pour aller pour déposer 3 plats devant chaque juge. Premier juge à m'a présenté, c'est David Guirin. Deuxième chef qui vient dans le concours là, c'est chef Annie qui pour première fois vient dans le concours comme troisième juge. Nous connaissons juge qui parle dans le jouet là. Juge méchant, c'est juge Gus Gus. Alors là, compte à rebours a commencé. 4, 3, 2, 1, action! Là, non, dans les mêmes jambes poissons, vous pouvez nager pour vous. Nager pour vous. Ah ouais, les mêmes jambes poissons. Poisson fait toute ville à nager, et bien même pas nager pour sortir là-bas. Comme d'habitude, table nous vraiment belle. Ah oui, là. Table nous bien décoré, là, il y a tout ingrédient. Exactement. On a profité, remercier Avani qui fait table à belle. On a remercié Bongo, qui sponsorisait l'émission ça. Et puis avec l'association du riz américain qui l'a rête avec nous. Cuisine yogi on passe au cas, faire l'entier si vous voulez, au cas où vous passez 2 livres et demi, au cas faire le filet si vous voulez, on prend pas avec cou bouillon si vous voulez, au cas faire bouillon poisson, y a un tout choix net là pour faire. All right, ok, vous comprenez. Mais et faut ne pas oublier Dimounio que c'est 3 plats identiques. Identique. Ce qui va être au poisson, mais c'est 3 plats identiques que vous mettez devant 3 lits. Mais, Mbedo, ingrédient qui parle de problème, c'est chocolat. Chocolat qui parle de problème, okay, ça, c'est que j'ai dit. Chocolat, nous pas dit qui ça fait pour y, mais faut utiliser faut chocolat. Faut que chocolat. Ok. Chef Gus Gus, qui sont pensés des ingrédients ça aujourd'hui là? Mon cher, c'est intéressant. Moi, si nous avons un bel vivant dans la main, et moi, on va au chocolat. Et nous même entre chef là, nous avons tout ça de café, nous avons tout mes verres de café. À chocolat? Ah, mon cher. Ok. Ah, mon cher. Et bien, on t'y poule.
Ah, mon cher, bah, un petit boule? Oui. Ah, ouais, c'est un petit boule là. Tu vas manger à toi? Ah, écoute, moi-même, chef, moi-même. Je vais boire son bois au chocolat, moi-même. Oh, non, mon cher. Mon chocolat, je vais boire son bois. Non, mon cher. Je vais faire un couler à saveur chocolat. Et puis c'est mis à saveur chocolat. Ok. Pour napper poisson. Ok. Avec un zeste de poivre léger. Ok, Stéphanie, qu'en pensez-vous? Il y a un fil technique avec déjà que j'aime d'accord avec chef Gugus que chocolat lui-même t'a prêté en termes de saveur. Okay. Et puis voilà, et puis rien, il y a tellement de gens qui ont diversifié rien. Exactement. Faire une pile belle bagarre avec lui, transformer. Et qui bagarre sur table là. Ah ouais. Oui. Et puis poisson lui-même qui pourra équilibrer cap élément de fraîcheur pour balancer tous les deux. Exactement. Même c'est comme ça, moi. Réginal, ou bien poisson, ou bien chocolat, ou bien du riz. Qu'en pensez-vous? Bon travail. Est-ce que notre bois, par exemple, fait barbecue? Oui. Ok, viande. Oui. On viande quelconque, on peut supposer comme il fait barbecue poisson. Est-ce que, il y a des formes où on mettait un morceau de bois? Mm-hmm. Pour qui ça? Ça bois, ça est les... Mal, en plus, mm-hmm. Charbon, il prend un bois, un morceau. Mais, bois, ça est les biscuits, son bois que vous utilisez. Qui ont fréquence là-dedans. On a homme là-dedans. Okay, là, alors c'est lui qui vient dans l'autre goût. Peut-être fumé, peut-être un goût rustique à chercher. Okay. On va mettre un petit choc bois là-dedans et puis vous rentrez là-dedans. Ok, pour fumer à l'autre. Exactement, pour sentir. Sentir odeur bois de la poule. Pour nous alors, pour sentir. Ah, pour sentir. Pour sentir, on va donner un bois à homme. Mais ok, alors, mais vous êtes capable de choisir différents. Et différents types de bois, mais okay. Pas bon, tout bois vraiment bien, tout une identité par eux. Ok. Bon, tu vas pas qu'à prendre, bon, soit bouillie ou bien chercher un arôme, pas qu'à prendre pas de bois. Là, Kounia, là, nous allons inviter une juge, lui rejoignons là, pour nous. Regardez, chef David Guin. Nous sommes tous les participants à votre travail là. Est-ce que vous avez une idée de ça que vous pouvez faire, s'il vous plaît? On passe en côté, donc. Je m'appelle juste éplucher et mettre tous les ingrédients au frais pour affourner poisson. Est-ce que déjà vous avez une idée de comment on va l'entrer le chocolat dans manger pour le faire et vous avez en disposition pour faire plat là, s'il vous plaît? Pour le chocolat, je vais improviser. Jusqu'à maintenant, nous avons chef là qui a du riz sur le feu. Par contre, dans mes poser quelques questions qui sont faites là. On va essayer de faire un riz au chocolat et puis poisson grillé. Qui joue bien notre chocolat ça dans manger que vous pouvez faire? On fait presque même j'ai un risotto, mais un risotto crémeuse. Vous avez dit, je fais une crème de chocolat et puis mixer avec le lait. Et les poissons que vous gagnez, comment vous pouvez là-dedans? Je vais sauter et puis mettre le sucre. J'ai vu qui sont là. Où est-ce loin? Bon, pour moi-même, Dave, il y a un travail. Non, pas c'est pas moi-même ça que je vais faire, il est loin de ça que je vais faire. Mais c'est j'ai apporté les crédits dans notre résultat que je voulais. Bonsoir. En forme, on va faire un riz au lait, au chocolat. Beaucoup de poisson. Hein? Ok. Mais bon, moi vraiment, quand on peut aller à un petit genre vraiment difficile, mais je m'attends à ce que tout va bien passer.
Comment nous y est? En forme, comment on sent-tu dans l'activité là? L'activité assez. Déjà, moi, lever filet poisson, c'est sûr qui lever filet poisson, compliment. Et puis bon, je vais regarder moi photo pour aller. Et qui, pas jamais oublier que l'essentiel, c'est que pour vraiment qu'il y ait des techniques en tête et que pour toute température, respecter l'observer plat. Pas jamais oublier tout explosion de saveur, utiliser un peu de saveur et puis pour avancer. Okay, merci. Bon succès déjà. Merci, Nabil. D'accord. Bon, jusqu'à présent, moi, que vous poussez tête en pile, bon, okay. Parce que moi, je m'attends, je fais imagination, marché, je fais que vraiment, je ne suis pas tant, et que moi, j'ai poussé quand même. Donc, moi, je suis vraiment impatient pour moi, comment explosion de saveur, comment on va faire mixage. Donc, pour moi, j'ai fait un pile effort, donc, je m'attends, yo. Non, non. Parce que poisson chocolat, il va jouer. Ah non, ça, ça va jouer du tout. Bon, il faut planer avec la tête, tout. Oui. Pourquoi tu veux ça faire? Oui, moi, ça. Tu vas improvisation encore? On va créer. Ok. Vous êtes belle, obligé de s'en élever à la vidéo, vous dites. Oui, mangez belle. Il faut s'en remplir l'épice. Oui, il me reste l'épice. Oui, il va bien. Chef là, comment est là? Est-ce que c'est vous comme chef là? Non, on a un travail. Dis comment est là même. Combat la passe pour là. Côté poisson. Oh. Poisson, je dis que tu es dans la four. Dans la four. Est-ce que tu es poisson droit pendant la four? Il doit, ok, pas un problème. Mais c'est qui soit bas nous-mêmes, c'est qui soit bas nous-là même. Moi, je sais que je m'en passe dans la télé avec un malade de la tête. Il y a beaucoup qui a dit ça, exactement. Ah, ils sont créations à faire tout. Je m'en vais essayer. C'est que, non, on va essayer ou on va faire une création? On va faire une création, d'accord. Moi, j'ai un pile bel mélange qui a essayé de faire. Ok. Et je n'ai pas atterrissage, mais j'ai atterrissage parce que l'avion est là. Les chefs du Gustave t'ont dit ou pas fait pour mettre un rien en plat qui n'est pas comestible. Et ça c'est vrai, ça c'est sûr. Et en pile de rêves, on a fait parfois. Et il y a un petit truc au point, on a mis un petit fait persil. Ouais. Comment est persil? Oui. Bon raison de mettre persil à manger. Parce que lorsqu'on mange persil, ou mon persil lié d'eau, digéré, manger. Ah bon? Ok. On là. Parfois, quand on met un petit menthe, maintenant, mettez bon raison. Lorsqu'on mange, on mange maintenant les dos. Au moins, si on mange les oignons, les dos partagés. Ouais. Sur toute base, on a raison de mettre au lampe là. Par contre, mettons si fait persil dans chaque bagage. Oui. On va prendre un crème à la glace, mettons si fait persil là-dedans. Oui. Donc so, là, c'est ça le problème. So, c'est ici les ingrédients pour faire sens dans le plat. Poisson thermidor, c'est poisson gratiné, c'est ça? Thermidor. Non, poisson thermidor, là, c'est un poisson que vous faites à base de crème, béchamel, et fini au four. Vous comprenez? Vous comprenez? Sur ta poisson, c'est mon café thermido, au café homard thermido tout. Ah, ok. Mais, faut que les gens aient champignons. Ok. Madame. Ok.
ne pas oublier de dire que c'est trois institutions qui permettent que l'émission ça fait. Nous avons Avani qui a une belle table, nous avons beaucoup, et puis nous avons l'association d'Iri américain qui permet que le concours ça, que nous avons gardé à la qui est ce chef, que nous sommes capables d'apprécier. Et Annie, dis-moi, est-ce qu'on sent que tu vas manger? Bon là, jusqu'à présent, je me sens que je vais manger parce que je me sens que je vais apprendre tout. Parce que moi, que cuisinier, il y a vraiment risqué. Il y a risqué et c'est sa cuisine. C'est donc il y a risqué et il y a un pile balance de saveur. Bon, là, je vais mettre dans la bouche, je vais vraiment s'il balancer. Mais jusqu'à présent, je dis au compliment. Ok. Moi, tout qu'on a bien sur beaucoup de l'essai. Hein? 7 minutes qui est dans beaucoup de l'essai. Regardez-vous, hein? Ils sont à penser. Hein? Et pas oublier, il faut cuisiner au connaît que poste côté hier, faut quitter propre parce que c'est une dans notre que a gagné dans mes juges pour qui gens yo quitter poste que yo travaille. C'est important. L'important, c'est ça. Non, mon cher, son panneau plus de bagages, son paquet de son paquet de parce que bon bagage dans les soins. Moun konnen l'opèz yon klinyan. Poutèt moun nan mal manje ou bien gon fout. Li malade. Se vwè moun pè di, yon pote 100 klinyan. Pase moun sa li men bal fan pi reklam bou. Se te manje nan moun. Manje a gou. Yon ap akè tabou l'fè reklam bou l'zou manje a gou. Moun vini. Men si li ba gou. La fsou manje moun te sou Instagram bou. A la bel jodi an pil. Mbap bel mwen. Mbap bel mwen. Mbap bel mwen. Mbap bel mwen. Non, bon poisson sa. On bel mwen poisson sa. Bon, c'est que j'étais là. Moi-même, pas bon, moi, si une sorte mon vieux ou y a chocolat, c'est le même dans mes côtés pour moi. Bagaille, ça travaille. Bon, pas le long bagaille. M'a fait manger longtemps. Pourquoi j'aime faire combinaison ça? Ah bon, très bien. L'aime-moi, le d'être même dit. Bon, là, nous prenons vraiment. Soit nous prenons surprise, soit nous apprécier. Apprécier. Ouais. Monsieur Jujo. Chef David Guillaume. Chef David, est-ce qu'on soit regardé là? Est-ce qu'on est tout pour OK? Tout le monde ok, mais il y a des assets qui manquent de couleur. Et... mais nous avons tant de jeunes nous dans ce moment là. Moi, cuisinier original, demain en dos, posé pour ma café. Je pose. Même ma café a tué monsieur, c'est tellement parce que monsieur dit mon sac, pression était trop pour lui, mais je vous ai dit que monsieur est entré dans chaîne pression. C'est ça, lié. Monsieur est l'air en façon pâle. Et même, monsieur, c'est qu'il a fait pas 8 plats, même c'est dévelé. Ah oui, non. Parce que vous savez, c'est 6 plats. Ah bon, ok. Non, là, tout le sac a propre tes assiettes, parce que bah, là, dans la présentation, tout. Bah, là, il est là, la présentation. Même j'ai moins longtemps que je fais du riz avec Aronso. Est-ce que ça arrive que je fais du riz à poisson? Oui. Mais moi-même, personnellement,
pas pour bel poisson comme ça mais pour non 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 pas du pour prendre poisson entier pour mettre non par exemple tout à l'heure là on était sur diminio que ou pas prendre du riz blanc ou pas prendre du riz collé. Ce qui va me déconner est-ce que dans poisson puisque on fait des filets exactement dans reste poisson est-ce que tu as coupé l'autre poisson tu as coupé mais mettre le du riz exactement de l'autre mélange au blanc là il va déjà faire bien pile là faire 1 minute là la prochaine là 1 minute. Mais de toute manière, je pense que tu bien travaillé. Ok. Au point du bien travaillé. Il y a un petit souci pour Régine dans la place où elle a pris cher tout ça. Ok. Et font avec, je l'utilise quand même, je ne peux pas gaspiller. Ok. Et Gérard, tout, moi, je suis bien travaillé pour son nom. Et puis Julie, aussi bien travaillé pour son nom, ils font pas son entier. Quand tu as au bout, là, pour commencer là, Kounia, et demander public là, pour commencer à compter avec, c'est 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, fini. Campé, personne ne va toucher un lien encore. Tout le monde éteint. Qui est-ce qui chef a présenté nos premiers cuisiniers qui c'est Gérard qui fait déposer trois plats identiques devant trois juges. Là, nous prenons appréciation. Premier juge là, qui c'est juge David Guira. Nous féliciter les participants, ils ont un très beau asset pour moi. Asset a bien présenté, il n'y a pas de perfection là-dedans pour moi. Mais quand on est là, on peut prendre un goût qui est qui gagne dans l'asset. On peut voir est-ce que tout le bagage est respecté. Ce qui vient de faire chef de David pendant ce temps, dis-nous qui sa recette là t'es encore. Sans penser de plat fini là. Bomba, c'est ton bel challenge. Côté que auparavant, tu es vraiment perdu parce que. Moi pas attendre à chocolat sincèrement. Ça ouais. Avait dit me vienne faire mon travail, me dit bon, ma fond bagaille, j'en passe pas. Mon cher c'est comme ça, compétition et c'est comme ça, challenge vient comme mon chef et pas parfois privé ou pas jeune sort, soit t'as pas tenir, soit pour j'ai utilisé maillon pour faire privé. Qui nous t'a pas place sur ta ballon. Bon, suite avec chocolat pays qui la donne et puis les gars feuilles, on dit qui fait dans pays poisson pays. Moi, je d'après le paysan bol, en façon pour moi encourager les paysans à travailler plus. Ok. Ce qui fait que là, on prend, puisque nous avons l'impression que chef Guiran goûte, et on a demandé chef Guiran qui ça le pense. Ça que je pense, c'est appréciation plat. Nous avons très belle assiette, c'est vrai. Mais poisson en sel. Et puis, Jean li entre chocolat dans le risotto pour faire du riz, pas cuit. Certes, non, les autres diront pas supposé trop cuit, mais pour moi-même, diront pas cuit même, et puis mélange n'a pas marché, j'en mette chocolat, il pas à point, et puis Dieu n'a pas grand qu'un goût pour moi. All right. Ce qui vient pour appréciation, deuxième juge là, qui c'est juge Annie, pour demander juge Annie, appréciation, saloué sous yeux, enfin, et, puisque tout plat, c'est avec yeux manger d'abord, qui ça le dit sous plat Gérard là. Ok, pour commencer, je me dis que pour un débutant, et que c'est un plat qui est assez, le regarder, ou dit bon, on veut manger plat. Mais moi-même, si je me conseille de tabali, c'est que le moyen de regarder, par exemple, les légumes, je me des côtés qui fanent, ça, son bail, doit être très respecté. Et deuxièmement, si c'était moi, je me présenté poisson dans l'autre genre, parce que le ou vini manger un petit plat fin, etc., ou pas t'as envie à l'en retirer les eaux et pognes. Donc pour moi, je me conseille Jean plat pour t'as levé filet. Maintenant, pour nous, là, je vais regarder pour moi et comment. Bouillé comment les balancer saveur. Je peux dire que le poisson pas assez épicé. Le moins fait mettre risotto à dans bouchon. OK, on dit que il pas fin trop cuit, d'accord, on t'a quitté ça passer en pile etc. Mais en termes de saveur, chocolat vient vraiment très fort. Et puis il couvre tout le goût poisson parce que le poisson n'est pas assez épicé. Ensuite, il n'y a pas d'équilibre dans le plat, c'est ça. Pas d'équilibre du tout. Eh bien, ok, nous dit juge Annie, merci beaucoup pour appréciation et critique que le poté sous plat. Gérard là. Là, nous allons passer à chef Gugus qui pourra dire nous qui ça louait. Premièrement, assez tout mal stérilisé. Moi, ma graisse, ma douée tout. Je me battais en vie, ouais. Et. Oui. Et deuxièmement, vous goûtez manger déjà.
Mangeable à mangeable. Li belle, li pas joli. Parce que poisson, poisson chapé dans mon. Comprenez? Poisson chapé dans mon courri, bah on est sur rivé portail. Et faire yo majorité là de au fané ou pas traiter les gens ou ta traiter là, ou juste une impression on dit quatre. Pas de poisson comme ça non. Ça ça bon emploi là ben. Plat bien belle oui. On va regarder de loin. Mais seul ça moi-même qui bon comme qu'à manger cette papita banane de souffle avec soya. Je pense que il faut gérer cuisson, il faut gérer tous les détails. Et puis assiette là, soit les chefs, il faut commencer à penser que manger, ce n'est pas pendant qu'on fait là. On va imaginer ce qu'on va faire manger. Des bouquets du bois du feu, on doit compter ce qu'on va faire manger. C'est que dit chef, vous voulez dire que poisson en chapé dans le monsieur. Poisson nager. Non. Les noyer, poisson noyé. Noyé. Ok. Poisson sur un désert là, marché là. All right, ok. Ce qui fait que trois juges apprécient plat Gérard, qui c'est le premier cuisinier qui mettait plat devant trois juges. Nous avons des critiques, nous avons des appréciations. En tout cas, nous allons retourner tout à l'heure dans qui est-ce qui chef pour nous présenter nous deuxième cuisinier qui a Julie. Qui est-ce qui chef a présenté nous deuxième cuisinière? Deuxième cuisinière, c'est Julie qui sont déposés plat devant trois juges. Évidemment, Julie lui-même pour bailler astucieux, c'est un poisson et déposer poisson entier devant trois juges avec trois plats de riz que lui-même il choisit faire comme ça. Nous pourrons demander chef Gus Gus qui ça le pensait de plat Julie. Vous connaissez Georges, sincère. Oui. C'est Figo Cadeau qui est dans la ville. Oui. Je pense que Julie était mal contre l'économie de temps là. Ok. Je vais regarder le goût de Julie. Je t'ai dit que le raisin très bon là-dedans. Je veux un chocolat. Je ne veux pas de sel, pas de épices. Non, du riz. Ça a développé ce que je à goût chocolat même. C'est ça que je fais le réussir. C'est ça que je vais regarder. Est-ce que il marie là avec ce poisson a un goût pour marier à chocolat? Pour le deuxième qui est, juge. Bon, et moi, je ne vous ai besoin de faire du riz. Maria, tu viens faire un du riz. Et poisson avec chocolat dans du riz. Qui fait pas épicer du riz, vous comprenez? Et même penser à l'avenir, Julie, tu as supposé finir l'assiette là. Tu veux dire, pour l'assiette là pour poisson, tu as. Soit ben, moi, comme surprise pour tout, mais pour tout surprise à tout de vol. Et pas chercher le bois, chercher l'eau dans la tête. Bon, c'est que ça a manqué. Mais c'est une belle expérience. Ok. Je m'encourage dans l'expérience là. Ok. Et par contre, ça ne passe de poisson. Hein. Ce qui fait ma passer avec tout de suite avec chef David Guirin pour dire nous, ça le pensait de plat Julien. Ça me pensait de plat Julien. Et poisson, moi mes présentations, poisson entier. Et moi. Jean poisson présenté assez sûr son poisson à la vapeur que il présente nous. Et poisson qui est bon épicé donne même que celle-là pas fini vite trop dans chair yo. Durian qui c'est vrai mais l'essentiel raisin li bon mon petit raisin li marché là dans mais pour moi même liaison yo il pas parfait. All right. Ce qui fait que n'a passé tout de suite à juge Annie qui prend le ballon appréciation de ça le saute goûter et ça l'a regardé. Qu'est-ce que père? Ok, bon, pour moi personnellement, et le moi j'ai goûté du riz, moi très déçu. Ensuite, sauf ça, moi même c'est Jean cher poisson en tonne et lui vraiment pour moi je nous dis pas assez puis etc. Pour moi c'est l'équilibre. Ensuite, et voilà pour moi chocolat vraiment
on dit son valeur t'a balé au contraire elle fait me pas aimer chocolat dans moment pendant ma goûter plat parce que pour moi elle pas bon du tout durian vin pour moi très fade pour moi li, ça fait très mal que moi t'ai goûté durian que vraiment c'est une mauvaise expérience pour moi personnellement je suis pas de chocolat et chef Annie merci n'a dit chef David et s'il est capable de poser deux trois questions à cuisinier Julie pour demander l'impression tout ça sur le cuisinier Julie et juge parler tous les temps juge parler des plats non et on pas vraiment pas vraiment dit en pile bagaille, mais sans penser de plat même, sans penser de qui sont à faire à place, qui doit être fait à place. Bon, idem de gain au départ, c'était faire une croquette de riz au chocolat, okay. Mais l'homme a des timings, des petits gens serrés là-dedans, donc moi changer, moi improviser. D'après les plats, place à un nom qui n'ont pas de bon, d'après les petits tec-tec. Tec-tec, ok. Ok. Merci en tout Julie. Cas, nous prenons appréciation Jujio, nous tendez qui critique au fait, nous tendez Julie lui-même qui j'ai voulu aborder plat, mais malheureusement faute de temps, faute de il n'est pas quand arrivé, faute de temps, ce qui fait que nous prenons présenter nous tout à l'heure, troisième cuisinier dans le concours. Qui est ce qui chef a présenté nous troisième cuisinier? Troisième cuisinier qui c'est Réginal. Réginal se déposé trois plats devant trois Jujio. Et là, vous commencez à goûter plat pour vous bailler appréciation ou bien critique. Là, nous allons commencer tout de suite avec chef Annie. Ok, pour commencer, et moi tiens à féliciter pour moi cuisiner ça parce que jusqu'à présent, en termes d'équilibre de saveur, il est bon. Si nous avons une présentation, plat, je ne suis pas trop épaté parce que pour moi, ils font un appage, ensuite ils mettent un petit sauce à côté, c'est même bail pour moi qui n'a pas sens. Ensuite, deuxièmement, pour moi, j'en ai mis tes légumes, c'est quand les légumes tombent dans la main et puis ils tombent bord du rien. Pour moi, ce n'est pas un bail qui est très réfléchi, trop esthétique. Mais par contre, jusqu'à présent, pour moi, ils font un risotto avec noix et qui ont six saveurs, tout petit poivre avec cannelle. Leur vin balancé là avec sauce chocolat, ça qui est sucré et en même temps, vous sentez qu'il est vraiment balancé avec poisson. Poisson, cuisson poisson, il fait tout sucre poisson sauté là-dedans, dans sauté, qui vient balancer un petit goût smoke qui est amer. Pour moi, jusqu'à présent, dans goût. Je monte à bord. Voilà, j'ai fini. Ok. Ce qui vient nous dire, juge Annie, merci. Nous allons passer tout de suite à juge David Guirin, qui a bail appréciation. Cap souri. Et voilà, au moins, j'ai mangé depuis tout à l'heure avec la goûter. Ce qui fait que. Pour moi, même à cette appareil, pas thème, parce que. Et moi, son pyramide d'Égypte, le côté vous et devant moi. Et pour moi, même à cette appareil, au niveau goût, cuisson, c'est son risotto que là. Qu'il te voulait présenter parce qu'il n'a pas présenté Minoa, c'est un risotto. Il n'y a pas de rien à sortir de là, pas de rien critique. Point, tout bagaille à point. Ok. Moi-même, je me sens dans le plat, je me sens manger un bon bagaille. Oui. Ok. Merci, chef. Et il y a un autre bagaille qui m'a pas ajouté. Il y a une sauce au chocolat. Waouh. Ouais. C'est parfait. C'est parfait. All right. C'est bien ici le chocolat là. All right. Ce qui fait que, on apprend chef. Guscus qui pourrait dire nous. Tête chargée. Sale pensée de plat régional. Tête chargée. Mon chef, c'est ma belle qui m'a dit que c'est ma chose. Si je garde l'assiette là, je suis assiette à me jouer sans me goûter, je vais faire un erreur monumental. Parce que je vais gagner l'assiette là même. Ok. Je vais ranger l'assiette dans le chien jambé. Ok. Mais par contre, pour goût, je suis sur bon route là. Ok, je suis sur bon route. Je suis bon route là, je vais garder le poisson hein, et je vais replacer l'asperge là. En réalité, je vais replacer. Je vais garder le fond que monsieur a fait avec tête poisson, azo poisson. Hein. Monsieur mettait dans du riz. Monsieur aromatisé. Il va bah, le salé sucré qui ressorti. Et je me suis d'habiter de son risotto, monsieur. Bah, moi, je suis son risotto, bah, moi, vraiment. Et poisson, il y a toute saveur bien épicé. Je suis prêt à le griller, la cuisson, monsieur, respecté. Sauce là, pas à mon goût. Ok. Tout ça, chocolat bien fait. Oui. Mais, il n'y a pas à mon goût. Ok. Mais ça, c'est personnel. Ok. Mais, du coup, l'esthétique là, moi-même, je ne vais pas noter l'esthétique là. Mais, du coup, le goût, monsieur, mélanger tout ça avec vous, faire explosion de goût de besoin. All right. Là, nous allons quitter Conan Bay, chef David, pour le poser. Réginal, question pour demander qui ça le pensait du plat que ça a créé. Réginal, juge fin parler et yo bo tout critique par yo. Et si on pensait des plats et qu'on t'a parlé, qui vision t'a pour plat ça? Bon,
Alors, vision pas dans le groupe là, vision a changé parce que j'ai fait une présentation et par contre, ça m'a fait. Par contre, ça m'a fait. Exact. Parce que nous, elle est à courir sur moi et puis elle me dit, ouais, vraiment coincé et puis elle me dit, bon, finir rapide et puis. Et comment t'as pris les places là? Si t'as ballon, non. Comme c'est pour la création, quoi. Comment t'as pris les places? Parce que c'est le passion. Passion? Exact. Bon, vas-y. All right. Merci. Ce qui fait, nous dit cuisinier original, merci. Et là, pour nous, on m'a dit, tout le monde, là, nous pouvons attendre tant fatidique là, qui c'est verdict là, qui parle sorti, nous mettons juge pour dire qui est dans trois cuisiniers ça, qui gagne. Nous avons tourné tout à l'heure dans qui est qui chef. Qui est qui chef? Oui, dans le final, beaucoup qui te gagné trois cuisiniers qui c'est Julie, Gérard, Réginal. Là, verdict là tombé, trois juges choisis, puisque nous avons toute critique, toute appréciation. Yo. Et là, on a profité, dis-nous qui est-ce qui gagne dans la partie ça. On a profité de remercier Avani qui a donné une belle table. Bon goût avec l'association Diri américaine. Là, le verdict a tombé et nous avons dit qui est-ce qui gagnant, qui va recevoir un prix d'ailleurs. Mais avant tout, on a demandé chef David. Qui ça le pensait de concours ça, ils sont appréciés. Mon cher, je vraiment apprécié le concours, je vraiment apprécié l'utilisation des ingrédients. Et j'en conteste vraiment pensant pour faire manger. On prend. Mélanger poisson avec chocolat, c'est un bail qui est facile. Oui. Et il y a eu fait dans le goût par le sens par eux que oui. J'ai apprécié. Et ça me dit que pas de monde qui est perdu dans l'émission ça. Chef, ça n'a pas sorti en prime, mais après c'est en prime quand même. Parce que l'Alliance culinaire haïtienne, gain pour le bail. Chef qui sort en deuxième lieu, un certificat de chef de commis. Certificat ça, okay. Il y a qu'à utiliser pour grandir, nice. Pour grandir expérience, pour qu'à joindre titre chef de cuisine. Et après formation tout. Après formation, oui. Ok. Ce qui fait que là, jeudi, contrairement à l'autre fois, ce n'est pas moi qui pourrais dire qui est qui gagne. On avait invité chef Annie Vindi, qui est qui gagne dans le concours. Trois cuisiniers, ça y est, t'es sous le banon là. Chef Annie, s'il te plaît, n'abtenons là pour venir bailler verdict là que nous trois nous consentis qui est-ce qui gagne et qui est-ce qui te fait parler nous, bruit de nous finir. Bon, et mettez-vous dans le temps. Moi, c'était vraiment un honneur pour participer dans le concours ça parce que moi, il y a des petits jeunes qui vivent vraiment pour cette tête qui ont fait un peu l'effort. Et moi, qui félicite tout, Jean-Chef David dit, pas une personne qui perdu. Au contraire, c'est une expérience qui est pour vous. Pour voir comment on a poussé tes tout, comment on a poussé, comment on a travaillé sous pression, parce que tu as eu pile pression. Là, vous faites vraiment bon. Un chocolat avec un poisson pour transformer les pour mettre un dur en valeur. C'est pas un bail qui est facile, c'est pas un jeune. Donc, moi, je voulais complimenter tous les trois. Et moi, je dis, pas penser pour vous décourager. Je n'ai pas rencontré dans le chemin succès avant, parce que c'est comme ça que cuisinier son bataille. Et puis bon, là, enfin, je félicite les gens qui gagnent, les cuisiniers qui gagnent, sont cuisiniers qui étaient vraiment épatés nous. Ensuite, par goût, technique, et peut-être pas par présentation. Et je prie l'original, je félicite l'original pour Jean Libye passé. En tout cas, l'original, qui est bien mis pour mettez-la. OK? Là, vraiment, verdict a tombé et que c'est Réginal qui est arrivé jouer une approbation, trois juges pour le passer. Ce qui fait que là, on a demandé Réginal qui ça le pensait de concours et de prix que lui recevoir, qui c'est au jeu couteau que chef Annie Sotbali a là. Ça me passe de concours. Alors, c'est la première fois que je participe au concours. Alors, je me devine. Pour moi, même dépenser des grands cuisiniers, même des ouais, qui ont pile critique qui était faite, même de participer pour mes fois. Alors, et même des ouais, critiques, après ça, je devine qualifié. Puis je dis encore, pour le deuxième tour, et puis je viens là encore, je me frappe. Et effectivement, je m'avance toujours. Alors, vous utilisez les critiques ou des points, vous utilisez pour grandir, pour améliorer. Oui. Ok, Namdi Cuisinier Original, merci. Et Namdi, tout le monde. N'a pas dans l'autre émission encore qui est-ce qui chef.